Voici comment vous allez pouvoir dupliquer vos ressources dans le Lego de Fortnite. Donc pour réaliser ce glitch, vous allez créer n'importe quel poste de travail. Donc un poste de travail où les ressources vous intéressent. Donc par exemple, ici le casseur de pierre, il me faut des bois noueux, du bois noueux et du marbre. Donc si je construis ce poste de travail, je vais pouvoir dupliquer les bois noueux et les marbres. Donc là je le construis tout simplement comme ceci. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de le détruire. Dès que vous l'aurez détruit, vous allez devoir récupérer les ressources à l'intérieur et vous aurez 5 secondes pour quitter la partie. Donc, c'est ce que je vais faire, hop, je le détruis. Ensuite je récupère vite les ressources et là je quitte la partie. Bam. Vous avez 5 secondes. Si vous mettez 6 secondes, là le glitch ne fonctionnera pas. Après vous récupérez vos ressources, hein. Dans votre inventaire vous aurez toujours vos ressources. Mais le glitch n'aura pas fonctionné tout simplement. Donc vous aurez juste à recommencer. Alors là, quand vous relancez une partie, c'est possible qu'il vous mette un message d'erreur. Comme j'ai eu le cas, c'est pas grave, vous passez le message d'erreur et vous relancez la partie. Alors si vous avez bien réalisé le glitch et que vous avez été assez rapide, quand vous allez réapparaître, vous verrez que le poste de travail est toujours disponible. Comme moi par exemple, il est toujours disponible. Il est juste ici. Vous pouvez voir que dans mon inventaire, j'ai récupéré du marbre, du bois noueux, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout dans un coffre. Ça, je vais bien vous montrer que ça fonctionne. Ensuite, je vais le redétruire, mais cette fois-ci, je vais en détruire deux carrément. Parce que vous pouvez le faire avec, vous pouvez le faire sur deux postes de travail. Normalement, vous avez le temps. J'ai réussi à le faire une fois, donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc je vais mettre un coup de pioche, encore un, j'en ai un chacun. Et dès que ça se détruit, je ramasse vite les ressources. Voilà. Là, j'ai peut-être mis un peu trop de temps et je quitte la partie. Là, je pense que j'ai mis un peu trop de temps, donc ça va pas marcher. On verra bien. Alors, moment de vérité. On va voir si j'étais assez rapide. Et... ah bah oui. Apparemment, j'étais assez rapide. Ah, mais seulement pour un. Donc, vous avez vu, j'ai réussi à en détruire un. Enfin, j'en ai détruit deux. Il n'y en a qu'un seul qui a réapparu parce que j'ai pas été assez rapide pour le deuxième. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. Vous pouvez voir que dans mon inventaire, j'ai bien les ressources. Je vais aller les ranger dans mon coffre. Hop. Tac, 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 tac. Et là, je vais reconstruire, enfin, je vais redétruire ces deux trucs-là. Tac. Voilà. Normalement, c'est 3 coups de pioche chacun. Donc là, je vais bien me concentrer. Donc, c'est parti, let's go. Tac, tac. Je récupère les ressources. J'appuie sur option, quitter. Hop, oui. Donc là, normalement, j'ai été assez rapide. J'ai mis moins de 5 secondes ou 5 secondes pile. Donc logiquement, les postes de travail vont réapparaître et j'aurai toujours les ressources dans mon inventaire. Alors, moment de vérité, est-ce que j'ai réussi ou pas? Ok, j'en vois un, j'en vois deux, c'est parfait. Et là, je suis carrément à l'intérieur des deux. Ok, c'est parfait. Donc là, j'ai bien réussi. Hop, je vais dans mon inventaire, j'ai bien les ressources et j'ai toujours mes deux postes de travail. Donc, je vais ranger mes ressources et je vais pas recommencer, mais voilà, vous avez capté le délire. Et ça fonctionne avec n'importe quel poste de travail. Alors, j'ai essayé avec d'autres objets, par exemple un coffre. J'ai essayé de dupliquer un coffre. J'ai pas réussi, pourtant ça aurait été une dinguerie. Mais j'ai pas réussi, donc si vous trouvez d'autres objets à dupliquer de cette façon-là, n'hésitez pas à dire en commentaire. Code créateur SCL.